Yo. Comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la terre, mais l'arbre de vie résiste. Pour combien de temps? La fin du nouveau monde approche. Les tribus sont toujours divisées. Elles ont besoin d'une personne assez forte pour les unir ou les achever. Cette histoire a débuté de la manière la plus insolite qui soit. Alors, attendez-vous à une fin stupéfiante. Bonjour à tous! Bienvenue pour un nouveau live sur... ou un nouveau, une nouvelle aventure, ouais, on va dire. Aujourd'hui, on est sur Biomutant. Je vais régler le son et tout ça juste après. Bienvenue dans Biomutant. Ben voilà. Il vient le dire. Bienvenue dans Biomutant. Donc tout de suite, je vais faire ça vite fait. Vidéo. En... Oh, c'est un gros vertical. C'est pour l'instant. J'ai mis... Tout à l'heure, ils m'ont demandé de changer vite fait la lumière. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc, on est parti. Hein. On va commencer cette belle aventure. Enfin, j'espère que ça va être une belle aventure. Et qu'est-ce qui s'est passé avec mon... Bon, c'est pas grave. C'est parti. On va se mettre en facile. Je déconne. Je fais toujours mes jeux en normal.
quoi son bruit? On dirait un robot. Encodez votre ADN. Codez mon... Raton. Alors. Ah d'accord, il y a des trucs. Les primes, elles sont une espèce anthropomorphique, ouais. Agile, développée. Développée des. Test. C'est quoi les. Date. 28, 28, 28, 28, 28, sans chance. Ok, lui, c'est la version qui est vraie. On dirait R2. Ah oui. Le Don Don 28, 28. 28? Comment on voit. L'est et à droite. Un intellect moins formé. Une grande force physique. Ouais. L'ADN leur permet de relever des défis bien physiques que mentaux. Attends. Les statistiques. Comment on peut voir la description? Je donne le type de classe. Ouais, mais c'est pas fou, quoi. Ça permet de des défis. Bien fini. Elle est extrêmement résistant et endurant. Forme apparente. Bref. Je peux revenir en arrière. Les attributs et pas définissez votre structure génétique. Et a pas de ça, c'était quoi au début qu'on choisissait? C'est la race, c'est la classe. D'accord. Et là? D'accord, tu. Force et agile. C'est quoi, c'est agilité, intelligence. Ça. Agilité. Agilité, force. Force, agilité. Intelligence. Qu'est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais prendre? Agir intelligent.
La race avec capacité propre dans l'ordre. Encodez votre ADN. Ah d'accord, attends. Chance de buter à 50%. Définissez votre structure génétique. Je vais peut-être le mettre à JNT, intelligent. Pas possible. Dégâts de corps à corps. Non, je vais faire. Choisissez une résistance génétique. Résistance? Je résiste à la chaleur. Mettre chaleur, radioactivité, contamination. Un peu de tout. Comme ça. Faire ça. Je sais pas quoi prendre en fait. Choisissez le style de fourrure. On va prendre ça, on va faire un mini Kratos. Choisissez votre couleur principale. Un bleu comme ça. Choisissez la couleur des détails. Blanc comme ça, c'est bien aussi. Sélectionnez une classe. Ah d'accord, maintenant on choisit une classe. Mercenaire. Comment sabre sentinelle. Donc sentinelle, c'est quoi? La valeur de votre armure de base est augmentée de 10. Les sentinelles dédient leur vie à protéger une maison. Ils sont entièrement dévoués à l'organisation. Quoi? Son entièreté, croyance absolue dans leur dogme. Saboteur. Saboteur. Sentinelle. D'accord, saboteur. Lui c'est drôle. Compétence d'ambidextrie au corps à corps, équipé deux armes de corps à corps différentes pour chaque main. Hein? Super génétique, le coût de réduit de 20%. Saboteurs sont des explorateurs rusés et débrouillards qui ont été formés pour travailler à couvert aussi bien dans un milieu urbain. Sauvage. Psionique.
Sionique. Balle foudre, appuie sur la touche acier. Attitude. Tirer une balle foudre en face. Infliger des dégâts à l'ennemi. Cérébro, votre régénération de ki est augmentée de 20%. Les psioniques sont des expérimentations avec les pouvoirs psioniques généralement rejetés en marge de la société. Commando. Commando. Oh le Rambo. Les attaques avec des armes à distance infligent 10% de dégâts en plus. Habitué à travailler en équipe réduite, le commando forme une force d'élite entraînée des opérations spéciales. Franc-tireur. Donc, franc-tireur, c'est le. Vos armes à distance se rechargent instantanément. Et le chargeur suivant infligera 20% de dégâts en plus. Les franc-tireurs sont des solitaires rusés et compétents. Ont choisi hors des lois et des valeurs de la société. Mercenaire. Reprise. Compétence d'ambidextérité. Armes de corps à corps. Différentes pour manier. Les attaques avec des armes de corps à corps infligent 10% de dégâts en plus. Les mercenaires, un guerrier va se mettre dans l'art de la lame. Ah, vous me connaissez, hein. On a un gagnant. Je suis désolé, regardez la classe. On a un gagnant. On prend. Classe choisie, mercenaire. On prend le mercenaire. J'aurais dû me mettre un peu plus. J'aurais dû faire froid. Froid radioactivité. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris chaud. Ah, si on brûle. Ouais, bref. Bon, bah, messieurs, dames. On y est. Comment vous le trouvez? Ah, j'aime bien. On est parti. La merde en fait. Je regarde au niveau de la vitalité et de la force, il pue la merde. Les pouvoirs, l'énergie, le ki d'énergie, l'intelligence, ouais. Il est intelligent, il est agile. Il a un peu de charisme. La chance. Bon bah. Ouais, j'ai stoppé, vas-y, exprime-toi. Pourquoi? Pourquoi je devrais changer ma race? La question est posée dans le chat. Pourquoi je devrais changer ma race? À zéro force en vie. Et vita, ouais. bah oui, c'est ça en fait. Ah oui, non, mais je vais pas prendre le magot. Et je voulais le rendre agile. Faudrait quoi je fasse? Ouais, je vais peut-être. Choisissez une résine. Définissez votre structure génétique. Je vais devoir le. Ah, mais j'aime pas, il est devenu trop gros. Pas grave. Ouais, non, il a l'air. Ouais, non, il. Ah mais la vitalité elle monte pas. Vitalité c'est là, c'est force et vita. Ah mais non, j'ai pas. Le charisme. Non, je pense que je vais le laisser comme il était. Eh bien on a J1T, non? Un perso de type guerrier. Et envoie tes cheveux de. Et revois tes cheveux.
de stats au début. Bah ouais, bah je suis là au début. Pour ça, type guerrier. Mais non, c'est le. C'est l'ADN. Génétique. Ah, faut que je le prends au guerrier. Je l'aurais voulu comme ça, en fait, moi. Au niveau du corps. Chier. Cercle. Vous savez quoi? Allez. Choisissez une résistance génétique. Voilà, on prend le risque. Ouais, c'est vrai. Finissez votre avec la télé. Bon, bah tant pis, bon, on va faire ça. Je voulais pas aussi gros, mais. Ah, quoique. C'est que de l'inté. Et un peu de force. Si j'ai de l'agi. J'ai trop d'agi. On va faire ça. L'aime pas aussi, c'est ça qui est chiant. Je le veux plus. Putain. Bon. Choisissez une résistance génétique. Choisissez le style de fourrure. Ah mais j'ai perdu mon... Choisissez votre coup. Choisissez, sélectionnez une franc-tireur. Choisissez le style de fourrure. Choisissez votre couleur. Choisissez, sélectionnez une classe. Mercenaire. Voilà. Ben, je sais pas moi pourquoi choisir full stat. Définissez votre structure génétique. Sinon, il n'y a pas... Je sais pas en fait pourquoi. Là, ça a l'air bien, là. Dis-moi. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est sur la création du personnage. C'est trop. Ah, ça a l'air bien là. Et il me donne des conseils depuis tout à l'heure et il me répond plus. Ah si. Non.
Là, ça te plaît pas comme ça? Que j'aille plus à gauche? Là, Vita 24, Force 41, Intelligence 24, Agilité 27. D'approcher 25. Ouais, mais. On va mettre comme ça, on va regarder. Allez. Choisissez une résistance génétique. Choisissez le style de choisissez, sélectionnez une classe. Classe choisie, mercenaire. Ah mais j'aime pas son physique, il est trop gros maintenant. Il est devenu un gros lard. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est parfait. Voici un individu au passé trouble. Jeté contre son gré, sous le feu des projecteurs, d'une histoire qui a déjà commencé. Nous sommes déjà à une intersection. Choisir un chemin dans la vie. Ça se résume à prendre une décision ou arrêter de vivre. Toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. C'est aussi un choix, le reflet de votre qui, l'énergie primitive qui s'écoule dans tout ce qui nous entoure. C'est vrai. Bon, je sais que mon ami Dark prendrait le rouge sombre, le rouge sombre pour la force et le pouvoir, hein. Le côté obscur, voilà. Ben moi, je vais prendre je ça. présente, je suis la lumière, ton côté clair, ta voix intérieure, plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Les conséquences, hein. Je ne sais pas vraiment si la lumière est faite pour moi. T'as tout compris, je suis lumineux. Ouais, je dirais plutôt que t'as pas grand-chose dans la tête, mais tu finiras par changer d'avis. On verra bien si je passe du couteau. Changer d'avis? Mais pourquoi changer quoi que ce soit quand on a d'aussi bons instincts? On ne peut pas combattre sa propre nature. Sa nature! Et moi qui pensais qu'on était pour la sélection naturelle, la survie du plus fort et tout ça. Si ça, c'est pas de l'instinct, alors je sais pas. La sélection naturelle, c'est une question d'évolution et de progrès. Dès qu'il y aura assez de lumière, les ténèbres disparaîtront.
Attends, Joey, tu vas être vu, j'ai changé ta voix de connard. On verra bien si je pars dans le côté. La droite est toujours le droit chemin. Ouais, tu vois, il vient de le dire. Ah oui, le panneau m'indique danger. Alors, faisons attention. Des histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature et la proie des uns et des autres. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? Vous avez tourné le dos au monde, erré en solitaire, pendant que le prédateur devenait plus fort. Quoi ce bouton? Oh, je perds. Pas des fins? Vous feriez mieux de prendre vos jambes à votre cou. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Et cours. Ah oui, ça charge. J'avais craché. Ah, super le chargement qui dure une plombe. Il valait mieux s'enfuir pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Répétez. N'est pas la seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à dépérir. Plage au corps à corps. Avancez avec, vers un ennemi pour le cibler et vous attaquez au corps. Un ennemi avec la caméra pour le cibler. Attaque à distance. Recharger les armes à distance. Bien sûr. Attends, attends, attends. Quoi? Le ki énergie sert à esquiver. Et des mutations. Des attaques spéciales pour effectuer aucune de ces actions sur réserve de qualité de recharge du pot.
En dehors des combats. D'accord. Pain. J'ai trompé de bouton. Ça va laisser une cicatrice. Oh. Une bonne estafilade. Ouais. De monter. Ok. Bon, j'ai encore un peu de mal avec les combats, mais ça va finir par arriver. Alors, module électrique. Vous avez trouvé une modification d'effet d'arme. Attachez-le à votre arme de... pour ajouter un type de dégâts à vos munitions. Jusqu'à épuisement de ce dernier, certains résistance ou une faiblesse à des effets donnés. Alors, tâchez de les abonner sur. Alors, rare, bourdonnant, bourdonnant 1, correct 4, ok, module électrique, dégâts 13, précision, ok. Ok, armes, sélection rapide, table. Réserve médicale, vous avez trouvé des réserves médicales, ce genre de sac contenant des objets servant à vous soigner. Votre santé ne se régénère pas automatiquement en combat. Vous pouvez utiliser des consommables et trouver des moyens. Un pense-plaie. Vous pouvez utiliser ce bandage maintenant. Toujours plus haut, toujours plus haut. Je sais très bien qu'il faut monter. La toilette. Trousse de soins. Les câbles. Soins cachés dans les toilettes. C'est pas commun. Et tu t'es accroché tout seul. Vous voulez savoir ce qu'il y a là-haut? À monter. C'est qui fait bibi? Pourquoi n'oubliez pas de parer des attaques ennemies
Lorsqu'un ennemi attaque et que vous voyez apparaître un éclair au-dessus de sa tête, appuyez. La mélasse est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement. Ah, j'ai vu. Ont changé avec lui. C'est la loi de l'évolution. Ok, super. Je suis vachement nul, mais c'est pas grave. Marché longtemps. Lui. Pourquoi il veut pas? Oh là, oh non, non, non! Que la moitié de votre vie. Oui, bah je sais. Faut déjà que dalle. Ah là, lui me fera plus chier. J'avoue, je suis nul. L'objet de guérison sur les ennemis morts. Trouver un ennemi mort. Sur brillance et appui. Break. On peut utiliser les objets. Interaction. Agile. Regain de santé. Or, ramasser. Il n'y a pas d'autres ennemis morts. Bon. J'ai un peu de mal encore avec le système de combat, mais. Et la protection, mais ça va venir. Oh là là! Il fait lui. Jeter des objets là. Enfoiré. Ben alors, je veux tirer dans son bidon, ça marche pas.
confectilicieux. Dandy. Alors, je l'avoue, pour l'instant, je me dégoûte. Et j'espère que ça ira mieux. Du combat, il faut que je tac, il faut que j'arrive à tirer, il faut que je... à mieux jouer, mais les mecs ils me mettent des Golgoth et tout à chaque fois. Certains ennemis transportent de grands boucliers. Vous devez briser ce dernier à l'aide d'attaques au corps à corps avant de pouvoir infliger des dégâts. Pas un bouclier ça, c'est une porte. Non mais c'est bon. Pourquoi t'es détourné de l'autre côté toi? Comme une lame de rasoir. Vous êtes encore en vie. Vaincre les ennemis et accomplir des quêtes de l'expérience. Monter de niveau vous permet d'augmenter l'une de vos aptitudes. Vous obtiendrez également un point que vous pouvez utiliser pour débloquer des compétences. Menu Wing. Et projet. Ah, c'est 10 pilules. Ok. Bon, là, c'est fermé. Il a dit que je pouvais aller dans... Personne. Vous gagnez un niveau. Vous augmentez un attribut de la liste de 10 points. Ben voilà. Il me disait là, j'aurais pu mettre la vitesse. Ah ouais, quoique, vu comment j'ai douillé déjà, j'aurais pu mourir pas mal de fois. Ah, peut-être un peu, je vais peut-être me remettre de la vita parce que vu que je suis assez naze. Quelle vitalité! On va emporter des points d'amélioration en gagnant des niveaux. Vous pouvez les utiliser pour acquérir de nouvelles attaques spéciales.
Il est temps de débloquer votre attaque spéciale. À distance ou au corps à corps, choisissez entre combat rapproché ou distance. À distance, débloquez votre première attaque spéciale. Combat rapproché, à distance. Corps de base. Combat rapproché, hein. Choisissez le type d'arme que vous préférez. Corps à corps en bidexterie, une main, puis là, pas moi. Ah, une main. Non, c'est juste. Oui, mais je suis en anglais. Et tac, 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 tac. Plus de points, mais rien. Dépenser dans les traits, les attaques. Ok, Wong Fu, c'est là. Les traits, c'est ça. Général, mercenaire. Ok. Les accessoires. Non, mais. Besoin du parti. Ok, bon, bah on est reparti. Ah, mais j'avais pas vu, je l'ai sur moi, je croyais qu'on le cherchait, mais non. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Un pied de biche. Pied de biche de l'ancien. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche ? Ouais. On appelle ça un pied de biche. Wow. Il est temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Sérieusement.
Oh, il m'apprend le double saut, c'est cool. Les morques produisent de la biomatière dans les multi-organes qu'ils perdent sous le stress. Ces blobs affectent les brins codants cellulaires de tout être vivant qui les absorbe. Peut-être tu vas pas d'effectuer une attaque spéciale. Prive-vous. Tout peut servir. Observer un biolobe. Les biolobes sont des points permettant de débloquer des mutations et vous permet de. Dépenser. Spéciaux. Ah. Faut le péter. Ah. Bon, mes débuts vont être un peu laborieux, mais bon, ça va. Après, je vais me stabiliser avec le temps. Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arche, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. J'avais trouvé un casse-tête. Il y en a éparpillé un peu partout dans le monde. Certains ont de nouvelles voies, tandis que d'autres ont aucun récompense. Modifier le nodule sélectionné utilisé. D'accord. Pour tourner le module, appuyez sur d'accord. De rotation est élevé plus chaque module doit être tout arrivé au tour de rotation parvenir Je suis balèze. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol
ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ses métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant, et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe. Ça vient de derrière cette porte. Un avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Et voilà le travail. Alors, contrer parfaitement l'attaque d'un ennemi étourdira la tête d'un ennemi étourdi. Entour d'étoiles, vous frappez à nouveau. Envol. Dans les airs en appuyant. Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. Ah d'accord. Ah. Joli coup de grâce. D'accord. Taillé dans le vif. C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Miam, le bon récup. J'en ai à foutre, moi je récupère avant. C'est jamais. Il est passé où, roulette ? Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas bien pourquoi.
Il se présente sous le nom du fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Des rumeurs parlaient d'un renin borgne, vagabondant derrière la grande muraille. Il est content de voir qu'elles sont vraies. La légende de l'enfant borgne, qui a grandi comme un paria, est vieille et triste. Ça aurait pu être n'importe qui, mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. C'est une cicatrice que vous avez derrière ce cache-œil, n'est-ce pas? Mais il vous aurait reconnu dans tous les cas, vous ressemblez bien trop à votre maman. Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupin Lupin a fait à votre village, à votre moment, et Popsy, était le commencement de la fin. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. C'est après l'attaque que l'union s'est délitée. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction au fléau qui accablait la terre. Après la destruction du vieux village et votre disparition, un conflit a éclaté entre les familles. Avec le temps, les disciples se sont tournés les uns contre les autres. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre. Un arbre? Quel arbre? Alors, par défaut, les dialogues sont configurés passer d'une réplique de PNJ à une autre automatiquement. Si vous préférez passer les dialogues manuellement, vous pouvez modifier cela dans les paramètres. Oh, mais c'est moi quand j'étais pitio! Oh, le Johnny! Demande si vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre moment sait que vous êtes là? Vous êtes quelqu'un de bien. Vous l'avez probablement fait. Même les jeunes l'oublient. Il comprend pourquoi vous avez fait tout ce chemin. Pour les voir, eux, le peuple patate. Le peuple patate, ou nono, est une énigme, liée d'une façon ou d'une autre avec ce petit arbre alimentant sa source de vie. La magie? Il dit que c'est juste la force de vie, l'existence de l'énergie alimentant et connectant toutes les choses vivantes, comme les nonos. Les nonos préfèrent se cacher dans la brie-herbe. Il dit que vous devriez essayer d'en bouger un peu pour voir si un nono en sort. Eh ben allons essayer de trouver, on va trouver des nounous. Les peuples patates.
T'aimes bien ça, toi, les poétotes? Potates? Et tu m'en mets où, là? Vous en avez trouvé un. Vous pouvez vous réjouir. Ils ne sortent pas pour tout le monde. La ki-énergie du nono est ce dont le pensé a besoin pour terminer son cycle et devenir un arbre de vie. Le petit arbre que vous avez vu à votre rencontre finira par devenir un arbre de vie qui commencera à nourrir la nature. Ce sera le cœur de cette terre. Vous devrez soutenir l'arbre pendant très longtemps. Et la seule façon pour lui de devenir grand est d'absorber la charge de ki des nonos en ne faisant plus qu'un avec eux. Vous aurez besoin d'un filet pour attraper le nono. Il voudrait que vous utilisiez le sien, mais vous demande de faire attention. Les nonos sont des êtres sensibles, une personnification du ki, l'énergie primaire. Vous maniez ce filet comme si vous en aviez toujours eu un. Il est impressionné. Il est reconnaissant de toute l'aide qu'il peut trouver. Il y a beaucoup de nonos qui auraient besoin d'être guidés jusqu'aux racines du pensée. Oh! Il aura besoin d'un apport constant de ki pendant les 20-12 mois à venir. Donc, il dirait beaucoup. Il espère qu'un jour, l'arbre sera assez grand pour soutenir le monde. Mais pour l'instant, votre priorité est d'aider celui-ci à ne faire plus qu'un avec l'arbre. Donc il faut trouver des nounous. Peuple patate. Maintenant que vous avez vu de vos propres yeux la connexion entre les nonos et l'arbre, vous n'avez plus de raison de douter. À partir d'aujourd'hui, son unique objectif sera de s'occuper du pensée jusqu'à ce qu'il devienne un arbre de vie. Pas uniquement pour notre village, mais pour tout le monde, pour tous les peuples. Un jour, la terre ne sera plus aussi paisible. Et même votre maman ne pourra pas nous protéger. Vous pouvez déjà voir les effets des actes irréfléchis de ceux avant nous. Et à moins que quelque chose ne change, nous sommes condamnés. La Terre ne survivra pas aux conséquences de l'avancée industrielle de l'Ancien Monde. Il dit que vous feriez mieux de vite retourner au village avant que votre maman ne vienne vous chercher. Vous avez fait du bon travail. Oh,
Non, elle a beaucoup de choses en tête et doit se reposer après l'attaque de la nuit dernière sur le camp de Lupin avec ses disciples. Se demande s'ils ont laissé la famille du prédateur en vie. Il ne savait plus où vous étiez pendant un moment, mais aucun souvenir n'est vraiment seul. Ils font partie d'une piste que l'on peut suivre. Il se souvient de chaque jour qu'il a consacré à l'arbre de vie, mais à présent, il a peur que tout ça ait été vain. L'arbre a commencé à mourir quand la fin des temps a débuté. Et c'est peu de temps après ça que les mange-monde sont arrivés. L'évolution génétique qui a suivi l'apocalypse déclenchée par Toxanol a mis le feu aux poudres de l'ADN des mange-monde. Son ami Gizmo travaille sur un Mecton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le Gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Whis n'a pas encore fini de réparer son octopode pour affronter le Tortipouf qui vit loin sous la surface, tout au bout de la racine nord-ouest. Noko a apprivoisé le Chioval et se prépare à affronter le Lapipouf tout au bout de la racine est. Enfin, Glop a presque terminé son Glopski, une machine capable de fendre les vagues de la saline et d'atteindre le Porkipouf tout au bout de la racine sud-est. Le fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mange-monde. Il y en a un au bout de chaque racine. Ça ne sera pas facile, mais il compte sur vous. Ses amis ne sont pas assez forts pour les arrêter seuls. Il veut que vous compreniez que vous mourrez tous si l'arbre n'est pas sauvé. Pardon, il veut vous. Ses amis ont préparé quelque chose de spécifique à chaque mange-monde. Le Mecton, l'Octopode, le Chioval et le Glopski sont presque prêts à être chevauchés. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale et cette situation avec les mange-monde. Oui, non, mais maintenant je peux ramasser des nounous. Bon, j'ai vous pas encore. Commencez à vous y faire. J'ai pas encore trouvé les nounous, mais. La sortie la plus rapide est par le toit, là où ils sont entrés. La corde a l'air suffisamment solide pour y grimper. Ah, attendez, maintenant que j'ai récupéré le pied de biche. Y a pas une porte qui était restée. Ouvrir. Elle est où? Je sais qu'elle est pas loin. Attendez. Pas là? Et avant ou après?
Attendez, hein, je fais un petit détour. Et... Ah mais je peux pas. Ouais, donc non, je sais plus si c'était en haut ou en bas. Bon, c'est pas grave. À un moment donné, je me souviens, il y avait trois portes. Tirez sur la laisse. Oh, c'est pas grave. Non, c'est bon, oh, tant pis. Allez, on y va. Continue. Un grain de fil. Étrange. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental ni aux attaques des mange-mondes. Ah, il faut qu'on trouve des nonos. Indicateur. Ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Voyons voir. Trouverez des panneaux d'indicateurs un peu partout, à proximité des lieux intéressants, interagir avec eux pour les débloquer. Et puis la carte, vous choisir de rejoindre rapidement n'importe quel panneau indicateur débloqué. D'accord, c'est des points de TP pour ouvrir la carte, appuyer sur. Alors, archipel des salines, zone morte. Aventurez-vous dans le monde. C'est dangereux, ça. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Au fil du temps, les mange-mondes ont laissé leur marque sur notre monde. Ce n'est pas le premier village qu'il dévaste, ni le dernier. Là, un survivant. Il est réjouissant de voir qu'au moins une personne en a réchappé. Ah, ils sont morts.
Natu, Saina, Il a entendu des histoires à propos des mange-mondes et du chaos qu'ils sèment dans les autres enclaves. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici. Votre équilibre intérieur est représenté par deux facettes représentant le grand universel à certains moments. Votre équilibre intérieur s'exprimera par le biais de vos actes et dialogues. Rares sont ceux qui agissent invariablement de la même manière et notre tout est de et la somme quoi de nos actes. L'équilibre de vos actions et votre score d'aura qui a des effets dialogues. Il craint qu'il n'y ait plus grand chose à sauver si cela continue, et ce, même si l'arbre de vie survit à l'attaque. Il ne sait pas quel lien vous unit à cet endroit, mais quelque chose lui dit que vous êtes toujours fidèle à vous-même. En interagissant avec des prisonniers et des sanctuaires des prisonniers, remporter des points psy permet de débloquer des pouvoirs quand vous avez atteint un équilibre intérieur. Ok. Côté des ténèbres ou de la lumière. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'aide. Il dit que c'est à vos actes qu'on vous jugera, et non sur vos intentions. Il est heureux de voir qu'il y a toujours une étincelle de lumière en vous. Ah ! Une graine de lumière germe en toi ! Qu'est-ce que ça a de si bien, la lumière? Ça fait mal aux yeux. Pas autant que de te regarder, toi. Toujours les attaques personnelles avec toi. Assume que c'est un conflit entre toi et moi. Vous avez gagné un point psy. Utilisez-le pour débloquer les pouvoirs psioniques dans le menu de mutation. Certains pouvoirs sont réservés à une guerre. Les points psioniques peuvent uniquement débloquer des points de la même couleur que votre aura actuelle neutre. Revoilà le fossile. Il a dû rater quelque chose d'important. Le fossile dit que vous auriez plus de chances contre les mange-monde avec l'appui d'une tribu. Il y en a deux non loin. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien, car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous. Qui que vous choisissiez, ce ne sera pas simple, car le conflit entre ces tribus est pire que jamais. Elles sont à deux doigts d'une guerre ouverte. Les Myriades ont compris qu'il fallait arrêter les mange-monde lorsque les Léviathans sont sortis des profondeurs de la Saline. Dans un monde fragmenté comme l'est le nôtre, épouser le mouvement d'unification des Myriades peut sembler couler de source. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Une chose est certaine toutefois. La destinée aura le dernier mot. La tribu Jagni n'a qu'une seule conviction. L'équilibre du monde doit être préservé en éliminant les faibles. Ils pensent qu'une épuration est nécessaire pour sauver le monde et veulent laisser les mange-monde abattre l'arbre de vie. Cela dit, vous allier aux Jagni n'est pas un mal en soi. La destinée trouve toujours un chemin. Ivar Befarbe.
Le fossile dit que quelqu'un doit les sortir de cette impasse et faire pencher la balance soit du côté des Jagni, soit du côté des Myriades. Il pense que les Sifus des tribus, en particulier celui des Myriades, vous écouteront et qu'ils s'attendent à ce que vous rendiez visite au moins à l'un d'entre eux pour jouer votre rôle. Les Myriades sont convaincus que vaincre les Mangemondes est la seule façon d'éviter le pire. Ils ont dû se concentrer sur leur rivalité avec les Jagni. Le fossile vous attendra sous l'arbre de vie si vous perdez de vue ce que vous devez faire. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale et cette situation avec les Mangemondes. Alors, elle est qui? La partie. Ouais. Vous pouvez choisir la quête. Actuellement. Alors, on ferme des formations aux quêtes. Ainsi que tous les dialogues. Actuellement. Encore un croisement. Le tunnel ou le pont, à vous de choisir. Par là ? C'est étonnant qu'un tunnel naturel comme celui-ci existe encore. La plupart ont été inondés. On mêle pas, hein. Je sais même pas qui est qui. Cet endroit était magnifique avant que la guerre tribale n'éclate. Regardez ce qu'il est devenu. Une zone de guerre. Voici la forteresse de la tribu Myriade. Seront-ils amis ou ennemis? Allez-y, et vous le saurez. Voyons voir. Il a pissé dessus, quoi. Regardez, j'ai pissé dessus. Ce chemin va droit vers la porte.
Si vous l'empruntez, vous avez intérêt à faire une entrée fracassante. Dit qu'il se méfie des étrangers. Ils sont en guerre. Ignore si le Sifu aura du temps à vous consacrer, mais accepte de vous laisser essayer. La tribu Myriad cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur. Elle pense qu'unifier les tribus est le seul moyen de restaurer la paix. La tribu Sifu est persuadée que vaincre les mange-monde et sauver l'arbre de vie est la seule manière de rendre le monde meilleur. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des Myriades et se présente comme le Sifu de la tribu. Toutefois, il espérait que vous viendriez. La rumeur d'un renin justicier qui aurait traversé la grande muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre venue. Il a entendu dire que vous avez défendu le fossile contre les pillards dans le bunker 101. Vous semblez du genre à aider votre prochain, une chose que vous avez en commun. Il est persuadé que vous revenez pour une bonne raison, et se réjouit que vous ayez choisi de venir ici. Votre attitude lui rappelle votre jeunesse. Il sent que vous avez toujours un cœur gros comme ça. Le Sifu dit qu'il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre. Voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment alors qu'elle lui a tant appris. Il était l'un des disciples originels du Wang Fu. Votre moment a inventé le Wang Fu. À l'origine, c'était un art martial dédié au combat à main nue et à six armes. Le boomerang, le shuriken, l'arc, le bâton, le nunchaku et la chaîne à crochet. Le Sifu dit qu'il est temps de faire table rase du passé, du moins pour l'instant. Les terres sont troublées et peuplées d'ennemis de toutes parts. La tribu Myriade veut unifier les tribus. Elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur. Si vous pensez qu'il y a de la bonté en chaque personne, c'est qu'il reste de l'espoir pour l'avenir. Vous unirez les tribus et terrasserait les mange-monde pour sauver l'arbre de vie. Il espérait que vous les rejoindriez. Vous comprenez qu'il n'y a aucun mal à être bon envers les autres. Le Sifu attendait qu'un heureux événement fasse pencher la balance en sa faveur. Avec vous à ses côtés, il est persuadé que vous pouvez unir les autres tribus. Il veut que vous contraigniez tout d'abord la tribu Jagni. Les Myriades ont un certain rôle à jouer. Unifier les tribus et prendre leur destinée en main. Les tribus doivent être guidées d'une main ferme. Ses semblables n'ont plus le choix et sont au pied du mur. Même ceux qui désirent la paix sont contraints de préparer la guerre. À la guerre. Si vous n'attaquez pas l'ennemi, c'est l'ennemi qui s'en prendra à vous. Quand la survie est en jeu, la guerre est l'unique solution.
vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leur tribu suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse. Vous êtes tous deux des esprits nobles. Faisons donc la guerre avec noblesse pour qu'elle rapproche autant qu'elle éloigne. Vous dites de ne pas avoir peur. On ne peut vous priver de votre destin. Capturez les avant-postes ennemis et décrochez le droit de manier l'arme de la tribu. Lorsque vous en aurez terminé avec les avant-postes ennemis, vous affronterez leur Sifu pour unir leur tribu à la vôtre et vous permettre de partager à nouveau cette terre. Ils ont passé le point de non-retour. Leurs mots n'ont plus aucune force, et ils ne peuvent plus que combattre la violence par la violence. Vous voir fait ressurgir des souvenirs du vieux village. La tribu Myriade veut unifier les tribus. Elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur. Il se souvient de votre gentillesse et de votre altruisme. Il sent que vous avez toujours cela en vous, cette volonté de faire le bien. Quoi qu'il en soit, les souvenirs que l'on forge avec notre famille sont forts et peuvent parfois prendre vie. Passer par le vieux village en vous rendant jusqu'au premier avant-poste ennemi devrait vous aider. Bien que ce soit à présent un endroit différent d'une autre époque, c'est un lieu qui saura faire ressurgir des souvenirs en vous. Bon. Alors on a rejoint... C'est qui, lui ? Le vendeur prétend que vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Dit qu'il a les meilleures offres des environs. Ayez le nez creux. Chaque marchand est spécialisé dans un type d'objet précis. Pièces d'armes... corps à corps, ou distance, pièces d'équipement, vêtements, et de meilleures pièces d'équipement, des stocks de marchands, et ce spécifique. Allez voir le marchand. Et acheter assez de F là. De chaque article à droite de la liste et récupérer les trèfles spéciaux pendant les œufs. Vous pouvez vendre des objets. Thank you.
Ah ça c'est con. Prétend posséder des objets étranges provenant de la zone morte. Ils sont tellement rares qu'il faut les voir pour le croire. Dit que vous êtes au bon endroit. La boutique ne vend que des produits de première qualité. Yes. Alors, se réjouit de voir que les myriades peuvent compter sur quelqu'un d'aussi brillant que vous. Sera là quand vous reviendrez. Se félicite d'avoir quelqu'un comme vous à ses côtés, partageant à la fois sa génétique et son karma au sein des myriades. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Bon, comme tout, comment on appelle ça? Comme tout RPG, on va dire. D'aventure, je vais fouiller un peu, repartir. Alors, certains civils possèdent des informations concernant des endroits secrets et vous pouvez essayer que, ça serait bien. Rock Touib dit qu'il y a un endroit intéressant pas loin.
Personne n'est au courant, mais ne veut pas vraiment en parler maintenant. Demande si vous connaissez Whiz, celui qui construit l'octopode. Vous dit de revenir quand vous voulez. Pense que les myriades et les netras sont à égale puissance en ce moment. A du pain sur la planche, donc pas de soucis. Se demande si vous devriez être dehors par une nuit aussi sombre. Vous dit de revenir quand vous voulez. Et ben, y en a qui me disent des trucs intéressants. Ok. J'aime bien parce que il m'accueille et je les dépouille. Le marchand dit que vous pouvez consulter ses produits à tout moment pendant les heures d'ouverture. Dit que vous avez frappé à la bonne porte. Tout le monde a envie de faire des bonnes affaires. C'est quoi cette voix ? Type de balle. Non. Ah oui, mais... Intéressant. Ces merveilles en vous voyant croire que vous pouvez apporter du bon en ce monde. Assure avoir déjà dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Donc, pas de problème. Bon, allez, on y va. On va continuer. C'est parti.
Plus tard, on pourra avoir une monture. J'ai compris. Oh, c'est cool, la nuit elle est pas trop. Faites attention, il y a un Mamp là-bas. Ils ont été durement touchés par l'évolution, surtout les bancals, déformés et sans fourrure. Non, il m'a vu. On va essayer de passer en mode prêt. Ah, ici. Le temps n'a pas de prise sur cet endroit, et vous ressentez comme une sorte de picotement. Il y a quelque chose de spécial ici, une force d'attraction. Voyons voir. Avec le temps, les souvenirs s'effacent. Et parfois, les sentiments changent. Il ne s'agit pas de savoir qui vous étiez, mais qui vous allez devenir. Cette histoire est loin d'être terminée. Des échos d'un passé long révolu, comme des chuchotements dans le vent. Et quand j'étais tout petit, voilà une personne pour laquelle chaque journée est un nouveau départ. Il vous demande comment vous allez aujourd'hui. Il dit aussi que si vous traversez des moments difficiles, vous devez toujours continuer à avancer. Il se demande ce que vous avez fabriqué.
et il espère que vous avez été au lac pour vous entraîner à nager. Globe dit que certains choisissent la solitude parce que personne ne comprend ce qu'ils vivent. Si c'est votre cas, il tentera de comprendre, si vous le voulez bien. Il pense que vous devriez savoir nager depuis longtemps. Pourquoi pas? Le présent, c'est le meilleur moment pour faire ce qui doit être fait. On peut nager dans la plupart des eaux. Je pense que vous perdez peu à peu l'énergie. Ah ouais, quand même. Ça baisse assez. Il dit que ce n'était pas si difficile, finalement. Selon lui, l'impression qu'on va se noyer, il n'y a rien de mieux pour se motiver à apprendre à nager. Ouais, non mais... Peut-être comment il m'a balancé. Va falloir sacrément vous entraîner. Bien heureux sont ceux qui ne cessent jamais d'essayer. Il espère que vous en ferez partie. Vous devez passer plus de temps dans la saline. C'est la seule façon d'apprendre à nager. On n'en fait jamais trop. Vu le regard que vous lance votre maman, on dirait que vous avez oublié quelque chose. Vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle avant le coucher du soleil. Il est temps de vous y rendre. Vous savez bien qu'on ne rattrape pas le temps perdu. Vous devriez savoir que la perfection n'est atteignable que par la répétition. Vous allez devoir continuer à vous exercer si vous voulez vous améliorer. Elle vous retrouvera sur la place du village. Elle dit que c'est une bonne chose. Quand on aime apprendre, on ne cesse jamais de grandir. Voilà un autre museau familier. Il a l'air préoccupé. Demande comment vous allez aujourd'hui. Quand il crée des choses, il tient à ce que ce soit utile. Espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos pour un truc bidule sur lequel il travaille. Il est ravi d'entendre quelqu'un de la nouvelle génération dire ça. Préserver l'environnement, c'est dans votre propre intérêt. Vous devriez chercher des objets recyclables. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps.
Ils se demandent si vous avez trouvé quelque chose d'utile. Quoi que ce soit, il dit que ça ne devrait pas traîner par terre. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi, et vous demande si vous savez trancycler. Justement, c'est l'intérêt. Prendre quelque chose d'inutile et en faire bon usage. Il adorerait vous apprendre à trancycler. Le récup que vous avez trouvé ferait un bon début. Alors, bienvenue dans l'artisanat. L'arme. L'armure existante. Créative à fabriquer. Et de bon. Arme. Et la fabrication. La base. Ça détermine le type d'arme que vous allez fabriquer. L'arme. Corps à corps. Entre. À une main. Fabriquer. Sélectionner l'emplacement de la poignée. Et de votre choix pour fabriquer votre arme. D'accord, il y a des classes. Super. C'est du beau boulot, mais il se demande pourquoi vous avez décidé de fabriquer une arme. Il dit qu'une arme n'est pas très utile quand on sait bien se battre. Il comprend. Mais espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Bien. Il pense que maîtriser les 6 styles d'armes du Wong Fu est déjà très ambitieux. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça.
On dirait qu'elle commence à perdre patience. Berry? Vous savez qu'elle n'aime pas attendre. Elle vous attend de ce pas sur la place du village. Dans ce cas, vous avez une bonne excuse. Vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement. Voilà votre destinée. Elle veut que vous grandissiez et que vous commenciez à penser par vous-même. Vous devez vraiment découvrir qui vous êtes avant son départ. Elle n'est pas éternelle, vous le savez. Mais elle compte bien profiter de chaque instant, surtout lorsqu'elle est à vos côtés. Vous avez toujours suivi votre propre voie, mais cette fois, elle a besoin que vous suiviez la sienne. Elle veut que vous sachiez que quelle que soit la voie que vous emprunterez dans votre vie, vous devrez vous y tenir. Attention, ils n'ont pas l'air de plaisanter. Il vous dit de vous arrêter et vous demande où vous allez comme ça. Il dit qu'il n'est pas encore trop tard pour vous pour faire demi-tour. Ils ne vous laisseront jamais passer. Il vous demande pour qui vous vous prenez. Je sais pas moi. Il dit que vous avez raison. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire, y compris vous. Se demande si vous souffrez. Que s'est-il passé? Elle est là pour tous ses disciples. C'est son devoir en tant que Sifu. Et quand elle a besoin d'eux, il l'aide et s'entraide. Le plus important, c'est que vous alliez bien. Il est temps de vous concentrer sur votre entraînement à présent. Elle vous l'a déjà dit, le Wong Fu permet de garder un corps sain. C'est ainsi qu'on peut ensuite cultiver son esprit et le maintenir éveillé. Oui, bah effectivement, je débute dans le combat, donc forcément, il m'a défoncé. Ils étaient trois. C'est des malandrins en plus. Et mon bâton. Voilà quelqu'un qui vous est très cher, en train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Vous voir fait toujours grimper un sourire au visage de Popsy. Il veut savoir comment vous vous sentez. Why had food they are high?
Papa Zulu. Il sait que grandir est difficile. Et les choses empireront alors même que vous vieillirez et découvrirez comment les réparer. Il demande si vous pourriez l'aider aussi avant d'aller vous entraîner. Ah, c'est Popo. Il aimerait que ce soit aussi le cas pour votre moment. Mais guider le village et enseigner le Wong Fu à ses disciples semble de plus en plus important. Il vous conseille d'y aller et de lui trouver des idées et des gadgets pour transcycler de vieux tissus. Et alors, il est curieux de voir ce que vous avez trouvé. Quoi que ce soit, il dit que ça ne devrait pas être oublié sous un tas de trucs à recycler. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi, et vous demande si vous savez transcycler. Il a appris qu'on ne sait jamais quand ce qu'on trouve deviendra utile. Il vaut donc mieux tout garder. Il dit qu'il est grand temps d'apprendre et vous propose de vous enseigner en commençant avec le récup que vous avez trouvé. Alors... Le style est peut-être un peu trop sombre pour lui, mais ça vous donne un côté tendance. Il est d'accord. Au moins, comme ça, c'est indémodable. Calma. Vous devriez prendre ça pour vous entraîner. Il est d'accord sur le fait d'avoir un jardin secret, mais vous devriez savoir que le partage est synonyme d'affection. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça. Ah bon. On va rejoindre Momo ou on va pas rejoindre? Ah, on va se reprendre une volée. Votre moment vous dit qu'il était temps que vous arriviez. Dis que ce serait encore mieux si vous étiez à l'heure. Elle dit qu'elle a hâte de commencer et qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil. Ah, s'il n'a tout trop à l'heure.
Il reste toutefois assez de temps pour s'exercer, et vous en avez besoin. Les mannequins d'entraînement ne rendent pas les coups. C'est la bonne attitude, tant que vous continuez à apprendre. Votre maman vous dit que vous avez bien progressé aujourd'hui. Elle est si fière de vous. Vous remercie d'avoir été un aussi bon disciple. Un cadeau vous attend, préparé avec l'aide de Gizmo et de Wiz. Un cadeau. Vous devriez aller voir ce dont il s'agit. Vous l'avez bien mérité. Dit qu'il a toujours eu beaucoup d'estime pour vous, tout comme elle. Là, tu fumes la chicha! Les chaînes de Dromède. Votre maman dit qu'elle n'a jamais vu un appareil aussi vert que ce petit machin. C'est merveilleux. Le découvrir fait partie du jeu. Ce genre d'électromatos dispose d'une technologie de l'ancien monde, ce qui en fait un puissant appareil de communication. Cela s'appelle un automate. Et il est relié à votre ADN. Il vous suivra où que vous alliez et verra tout ce que vous verrez. Elle dit que ce n'est pas un enregistreur. C'est plutôt une sorte de compagnon. Votre maman vous dit que vous avez l'air épuisé. Et que c'est tout à fait normal. La journée a été longue. Elle se réjouit de voir que vous en avez profité au maximum. Excusez-moi, hein, je finis mes poki. Vous trouverez assez de force pour demain. Empêcher Lupa Lupin de mettre le feu au monde. J'arrive à dormir avec la pluie qui me tombe dessus. D'ouvrir la voie. Une branche brûlée apprend à redouter le feu. Ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Encore un dernier éclat et vous y arriverez. Votre maman vous dit que ça y est, le temps est venu. Elle doit affronter Lupa Lupin. Il n'y a plus d'échappatoire cette fois-ci. Elle l'entend approcher. Lupa Lupin est un problème bien plus vieux que vous. Quoi qu'il arrive,
Vous devez vous souvenir qu'elle vous aime. Et que tout ce qu'elle a fait, c'est pour vous protéger. Vous, votre papa, et les gens qui l'ont élu pour les diriger. Elle vous dit de rester hors de tout cela, qu'il s'agit de son combat, et que vous n'avez pas à vous en mêler. Le destin a fini par la rattraper. Elle avait une vie avant votre naissance, vous savez. Une vie bien plus sombre et maussade. Le voilà. Le passé qui vient hanter le présent. Elle a défoncé. Je le tape. Il défonce. Vous devez passer par le feu et l'eau pour y arriver. Votre maman dit que si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Là où elle va, vous irez. Les liens du sang sont plus forts. Vous êtes en plein dans la saline. Ne faites pas de vagues. La saline va où elle veut. Laissez-vous porter par son courant et elle vous ramènera sur le rivage. Oh, il est là. La mort n'est pas redoutée par celui qui a vécu avec un cœur pur. Une partie d'elle vit en vous. La créature a encore faim, et plus rien ni personne ne se dressera sur son chemin. Si un sacrifice est fait pour autrui, il n'est pas perdu, mais transmis. La vie doit suivre son cours. Les vrais sacrifices sont faits par amour et nécessité, lorsque toutes les autres options sont épuisées. L'ultime épreuve de conscience est la volonté de tout abandonner pour sauver ce qui est vraiment important. Ce que vous faites pour vous-même meurt avec vous. Ce que vous faites pour les autres reste et vous rend immortel dans leurs souvenirs. Popo ! Il a tué Momo et Popo ! Tandis que le moment passe et se perd, seule la solitude demeure. Ce qui ne signifie pas que vous oublierez votre passé, mais simplement qu'il est temps de tourner la page. J'ai tué ma maman et mon papa. Je vais les défoncer. Waouh. Des voitures. La tribu a attrapé un gros toutou. Attention, son nom est trompeur. Ah bah oui.
Il a réussi à s'échapper. Gros Toudou en liberté. Attention. Attrapé. Encore manger. Vous êtes à moitié en vie. Tranchée, servez. Tu mords. Première mort. Ouais. J'ai déjà mangé mes pokés. Ça fait du bien. Eh merde, j'appuie, hein.
J'appuie pour rouler et le perso. Bah, je sais pas, je pense que. En fait, il y a le truc de. Il finit son attaque avant de pouvoir rouler. Et. Ah, ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Je devrais faire. Pas plus attention. Ouais, va falloir que je prenne le coup et je me concentre. Pas tout le fil de ma manette. Chiant, ça. Avalanche de plomb. Ah, trop tard. Et là j'étais dans ça va pas non plus faites attention ah ouais non mais ça là c'est ma faute encore. Vous ne leur avez pas laissé d'autre choix que de l'abattre, alors qu'ils avaient prévu d'emmener le gros Toudou très loin, à Luxudru, pour le relâcher. Mais que, ma gueule, non place in a entendu dire qu'un renin avait rejoint leur rang, et avait hâte de faire votre connaissance. Un groupe de croisés des myriades s'est déjà rendu à l'avant-poste Murkadorpus des Jagni. Ils vous y attendent. Vous devriez vous y rendre sans attendre et les aider avec l'avant-poste. Pas vraiment. C'est à l'ouest de Brickville. On peut voir le parc Hachu de Gizmo depuis la colline. Je peux récupérer quelque chose. Et un peu. Voire deux, mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression qu'il n'y a rien.
Toxanol était ce qu'on appelle une méga-industrie. Et notre monde porte encore les stigmates des catastrophes écologiques qu'ils ont provoquées. L'apocalypse qu'ils ont déclenchée a précipité la chute de leur monde. Mais pour nous, ce n'était qu'un début. Regardez, une vitrine d'urgence du temps jadis, quand il fallait savoir taper du poing pour survivre. Oh, ce cogneur doit avoir un sacré punch. Métal au poing, l'ancien. J'avais trouvé le métal au poing, cet objet tellement puissant qu'il est capable d'abattre un mur d'un direct bien ajusté. Il peut même servir d'arme pour l'équiper dans le mur. Vous avez trouvé une nouvelle arme. Pour changer d'arme, utiliser ces tunnels résonnent encore des échos du passé. Vous les entendez ? Après avoir touché l'ennemi avec une attaque spéciale, personnage rempli. Les icônes activées sur... devraient être une attaque spéciale. Ah. Rendez-vous en enfer. Un ennemi intelligent tournerait gentiment les talons. Je l'ai défoncé. Quoi, ça c'est les épaulettes? On peut voir beaucoup plus loin dans la lumière.
ce panneau d'affichage, couvert des derniers désirs des gens d'avant. Vous approchez d'une de ces vieilles briques villes de Toxanol. Ouvrez l'œil. Toxanol a sorti cet endroit de terre et l'a jeté dès qu'il lui était plus utile. Enfin, des petites. Les endroits comme celui-ci étaient peu chers à l'époque et il y avait beaucoup de place. Une fois que vous en aviez fini quelque part, vous construisiez ailleurs. Il doit y avoir une voie quelque part dans cette brique-ville. J'espère juste qu'elle n'est pas enterrée. Si vous voulez changer le cours des choses, vous devez appréhender toute la gravité. Un chasse-caca du temps d'antan. Un chasse-caca. Un appareil qui fait disparaître la jaunasse et la brunasse. Essayez la chasse d'eau pour voir si vous arrivez à évacuer les crocrottes. On dirait qu'il faut détourner les serroirs sur les tuyaux pour drainer le chasse-caca. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Loin des yeux, loin du nez. Ce coin du monde était baptisé Brickville. La carte. Ouais, je... Vous avez trouvé les points d'escalade. Utilisez des commandes de mouvement habituelles pour vous déplacer. Or,
Quelqu'un doit mettre fin à ce fléau avant qu'il ne soit trop tard. Quel fléau ? Grand ici. Ça alors, c'est un radiafour du temps d'antan. Un appareil qui cuissonne la nourriture. Essayez-le pour voir s'il marche. On dirait qu'il faut synchroniser les boutons du radiafour pour le faire fonctionner. La devise du radiafour, c'est « boum ». Vous avez obtenu un truc. Pas exactement ce que vous vouliez, certes, mais en un clin d'œil. Ok, ok. Vous avez trouvé la voie. C'est incroyable qu'elle n'ait pas été détruite. Tellement de choses ont été perdues. Heureusement que la voie a tenu. Non, ça n'a jamais été beau. Ça a été neuf, mais c'est loin d'être pareil. Et être neuf ne dure qu'un temps. La voie continue en direction de Brickville. Vous devriez en faire de même. Bon, on va continuer. Ouais, ils ont l'impression de dire que c'était un bidonville. Mais... Là, les bâtiments sont... Ouais. Ça se peut que c'était pas ouf. Après un bidonville. Banlieue. Ce n'est pas une excursion touristique, c'est l'aventure, la vraie. Attendez, normalement j'ai eu des points, donc Votre grâce est sans égale. Vous êtes plus coriace. Donc ça c'est attaque. Vous faites face à un ennemi, appuyez sur la touche C. L'aptitude pour utiliser l'ennemi affecté. Attaquons leurs alliés au lieu de vous attaquer.
C'est du toxique. Ça peut être pas mal, mais pas que pour les enfin, pas que pour les ennemis. Et sur la touche utilisée, volute radioactive et partie bon libérer bon les dégâts radioactifs des ennemis. Ouais, on verra. Enfin, on verra après. Artisanat pour fabriquer. Améliorer. Vous avez une idée précise en tête ? Les vêtements vous rendent pas nu.
faut pas trop. Fabriquer, améliorer votre équipe. Merci. Ah, mais pas bon. Niveau de qualité apparaît. Okay. Et la lame est... également. D'accord. Gardez ça quelque part. Trop tard pour changer d'avis. Un outil pour les épéistes confirmés. Oh, excusez-moi pour cette perle perlude. Merde, j'ai enlevé.
Non, je trouve des trucs. Tout à l'heure, je trouve un blouson d'aviateur, machin. Je peux pas le mettre. Réfléchis si je m'arrête ici. Non, on va continuer, on est bien parti. Par contre, le truc, c'est que... C'est la vie qui est en jeu. La vôtre et celle de tous les autres. Ouais, bah c'est bon. Si on m'avait dit que je reverrais un jour un frotte-fringue des temps anciens, ça lave les trucs pas propres et c'est le meilleur moyen de détacher les habits. Il faut aligner les bitonios pour faire tourner le frotte-fringue. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Ça y est, vous avez bien fait tourner tout ça. Un frotte-fringue. Un frotte-fringue. Oh le short. C'est affolant, il y a... La ville elle est tellement grande, j'ai envie de tout piller. Il y a des chapeaux, il y a des petites énigmes et tout. Bon allez. Bon, on va pas passer sa vie. Je pense qu'on pourra revenir plus tard. Comme d'hab, je ferai des... Vous avez trouvé la futaie égarée, la plus profonde et sombre forêt du pays. Parfois, on a du mal à y voir avec tous ces arbres. La nuit est proche. Je ferai des petits... des rondelles. Acier bien aiguisé. Un récupération. Alors par contre, j'avoue, les ennemis qu'on affronte, ils ont des belles armures. Je pouvais pas les rejoindre parce que leurs idéaux étaient pas ce que je pensais en fait. De la tribu Jagni.
Prenez garde à ce que rien ne rôde autour de vous. Et du squelette. Oh cool. Ça les gars. Côté lumineux, côté sombre, je pouvais exécuter ou... Ah, ils sont contents maintenant. J'ai trouvé des contenants biocontaminés, récupérer des bioblobs et utiliser pour des modifications qui votre apparence dans la biofla dans la dans les... Ça raconte, pardon. Cet endroit pue. L'avant-poste de Murkadorpus, une forteresse des Jagni. Voyons voir. D'accord, on est là. Dit qu'il est temps de libérer l'avant-poste. Vous exhorte à limiter les dégâts en vous frayant un chemin vers le capitaine rival. La liberté n'a aucune valeur dans un monde condamné. Voici la première ligne de défense. Oui. Un lombeur à bombe. Je veux bien, mais je suis bon pour le détruire.
J'ai pas capté comment le détruire. Ah, j'ai vu. Ça a fait l'affaire. Vous l'avez déchiré. D'accord, fallait pour envoyer. Cette tourne-roue commande le tuyau d'évacuation. J'avais pas capté. Désolé. Faites tourner la tourne-roue pour ouvrir la canalisation. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Tout clic-cloc comme il faut. Une clé pour chaque verrou. Continuez. Hé, cette cage renferme un assistant. Et on va pouvoir se... N'avez jamais perdu espoir en votre venue, mais ignorait s'il lui laisserait assez de temps pour vous voir arriver. Dit que la tribu lui a fait subir un rude traitement. Aimerait se venger des gens qui ont fait ça, mais pense que vous vous occuperez d'eux. Ah ouais, mais si on le libère, après ce sera à nous. On le tourne. Tireur d'élite. L'échafaudage semble instable. Mieux vaut rester à l'écart du rayon rouge. Voici la deuxième ligne de défense. Thank you.
rouge symbolise le danger. Je pense qu'un gros boom le mettra par terre. Extinction des feux. Une chute de tonneau. Alors. Là pour faire sortir un tonneau. Puis tapez dessus pour le faire aller vers la porte et faites-le exploser. Ça a l'air détonnant. Tirez dessus et admirez l'explosion. Kaboum ! C'est ça, on y est presque. Et lui ? Ah bah si. L'avant-poste appartient désormais à votre tribu. D'accord, c'était pas... Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Votre Sifu vous remercie. Votre tribu gagne en puissance. Alors, chaque tribu possède une arme qui est propre. Si vous triomphez d'une tribu rivale, vous prendrez possession de son arme, tout comme vous l'avez fait en aidant la vôtre. Vous êtes désormais allié avec une tribu et décidez de changer d'allégeance et de vous allier à une tribu différente. Allez au de la tribu et parler à leur dit que vous avez fait du beau travail en capturant l'avant-poste. Vous avez gagné le privilège de porter l'arme de la tribu. Alors. Suppose que l'honneur revient également à la tribu. Le fossile dit qu'il fait de son mieux pour se tenir au courant. S'il a bien suivi, il semblerait que vous avez fait des progrès en ce qui concerne le conflit tribal. Il dit qu'il pressentait que vous vous entendriez avec la tribu Myriade. Mais qui sait ce que l'avenir réserve à votre alliance? Vous semblez partager les valeurs de la tribu Myriade. Une vision optimiste de la vie vous unit, du moins pour l'instant. Cela dit, le fossile insiste sur le fait que résoudre le conflit tribal ne vous avancera à rien si vous ne tenez pas également tête au mange-monde. Ouais, ben, je peux pas tout faire. Voilà qui n'augure rien de bon. Les mauvais pressentiments du fossile sont justifiés. Quelqu'un doit s'occuper de ce gigapouf. Allô, Poutoulou et Boboko von Junvun. Il dit qu'il est temps d'affronter le gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Et Boboko von
Gizmo essaie de renforcer son mecton afin qu'il puisse survivre au manque d'oxygène dans la zone morte et atteindre le mange-monde. Le fossile dit que vous devriez vous rendre sur place et faire ce que vous pouvez pour lui. Il sait des choses que vous devez connaître. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Alors. Même l'arbre finira par mourir un jour. Mais vous pouvez retarder cet événement. Sera là quand vous reviendrez. Dit que dans les temps anciens, des canalisations amenaient directement la mélasse dans les maisons. Aujourd'hui, il faut attendre qu'un camion la livre, et le sien a du retard. A désespérément besoin de mélasse. Vous pourriez aller voir ce qui est arrivé au Toxiton. Dit qu'il est tout le temps en retard, mais jamais aussi en retard que ça. Dit que le Toxiton vient généralement de cette direction. Cherchez le camion et découvrez ce qui lui est arrivé. Sinon, sa réserve de mélasse va bientôt être à sec. Semble avoir la gorge nouée, mais c'est peut-être à cause des saletés dans l'air. Ouais, j'ai pris la quête. Là, il se peut que je tombe dessus. Selon la direction où je pars, non. Des couilles et des coques. Et ouais. Dit qu'enfant, vous étiez du genre discret et se réjouit de voir que vous cherchez à progresser.
comprends totalement. Dit que si vous voyez les créatures en noir, il vaut mieux s'enfuir ventre à terre. Comprends que vous ayez des choses à faire. Le marchand dit que vous pouvez consulter ses produits à tout moment, pendant les heures d'ouverture. Dit que cet endroit est le paradis des bonnes affaires. Permis et billet. Tant que le soleil est là, tout va. Bon, Avant de reprendre notre aventure, on a fait notre premier... Ouais, donc je disais, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était le premier sur Biomutant. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. À ciao les amis.